Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ah ok, on fait un TikTok. Mais je pensais qu'on faisait un TikTok. Ah ok, on va aller dire. Comment tu... Je suis sourde. Tu fais à l'envers toi. Oh j'ai mal. Voilà, à la cette vidéo on a dépensé d'argent. Toi t'es clan oignon vert, moi oignon rouge. Faut qu'on trouve un nom. Toi t'es team crotte de nez. Toi t'es team chaude Bruxelles. Ok. Pourquoi on peut pas échanger? Tu veux être chaude Bruxelles. T'as utilisé un ton pour me blow mind le cerveau. Comme si c'était moins bien chaude Bruxelles que crotte de nez. Pas du tout, mais tu vas trop loin. Bien le bonjour mes petits crocodiles. Donc aujourd'hui on joue à Cooking Fever. Non ça. On va préparer à manger. J'ai pas faim. Moi non plus, mais bon c'est bon, on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo. Il va y avoir 3 rounds, un burger, un smoothie et un gâteau. On a fait nos courses de notre côté, donc on sait pas ce que l'autre va faire et on va goûter qui est le meilleur quoi. T'es quand même assez douée en nourriture ou pas? Non mais c'est juste que je fais à manger, elle fait rien, c'est tout. Je fais pas rien? Si. Non je fais pas rien. Oui bah tu fais des vidéos sur YouTube. Tu fais pas rien mais tu fais pas à manger. Non, je sais très bien commander des plats sur Foodora ou sur Just Eat. En général j'arrive vraiment à bien choisir les restos. C'est vrai, les restos de sushi, c'est moi qui suis sérieuse. Elle commande vraiment bien les plats déjà faits. C'est vrai qu'elle arrive bien à appuyer sur les boutons. Je vais essayer de mettre ça en application. Ah mais mets-le dans ta vue Insta. Mais je commande de ouf. Toi tu vas manger puis moi je commande à manger. Et là on compare genre. Ah c'est une bonne idée ça. C'est équitable. Tu sais que tu peux pas casser un œuf en le mettant dans ta main. C'est vrai? Oui. Non mais pas avec tes deux mains, juste une main. Mais là dans ta paume de main. Ouais. Et essaie de squeeze. C'est vrai? C'est peut-être parce que je suis fragile. Attends. Non mais non, tu forces ouf, t'as de la poigne dans le bras. Non mais il doit y avoir un poussin super costaud là-dedans qui pousse les rebords. Non non non, tiens-moi là. On se promet que genre on fait ce qu'on a en tête. On va pas changer en voyant l'autre. Soy, je te promets, tu ne tricheras pas. Je ne tricherai en aucun cas sur moi ni sur moi. Ah mais tu me dégoûtes, c'est toi qui as pris ça. Non ça j'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin des murs. Mais tu peux la prendre juste... Ah non non ça me dégoûte trop ça, je vais les jeter. Non mais ça là. Non ah non. Non Soy, si je les prends c'est juste que moi je vais les mettre. Il faut que tu goûtes quand même ma rue. Je vais goûter mais ça va me faire moins peur parce que je vais moins prendre un gros morceau peut-être. Ah bah non. Ok bon bah alors c'est bon. Alors moi j'ai des murs préférés. C'est pas des murs, c'est des framboises. Alors la banane. La banane. T'avais pris une banane aussi? Bien sûr une banane. Je vais faire semblant que je l'ai pas vue mais je l'ai vue. Non mais déjà elle m'a tout coupé dans le magasin. Je suis pas prête du tout. Est-ce que je pourrais avoir une toque de cuisinier? Cette vidéo va pas être du tout sérieuse. Non vas-y elle va être bien sérieuse. C'est pas... Ça fait ou pas? J'ai jamais vu quelque chose d'assez bien. Bête que grand. Mais il est moche le non. Mien. Okay. Toi il est blanc blanc, le mien il est verdâtre. T'as pas prévu de rallonge? Bon écoute, mets les bols là. On va mettre tout dedans et après on va faire un oui. Moi c'est ça que je voulais faire. Oui bah oui c'est ça que tu voulais faire. Oui. Tu vois bien que ça, c'est pas la machine qui va avec le phone. Aïe. Place au smoothie. Heureusement que c'est ma machine à smoothie que j'ai laissée chez toi. Quoi? Bon, vas-y, je vais attendre que tu te calmes, d'accord? Bah voilà, tu manges des cakes en fait. T'en veux? Non. Ok. J'en ai marre. Elle fait quoi? Elle sort les muffins. Non mais on est où là? Pour mon smoothie, j'utilise une banane complète. Normalement, il faut qu'elle soit bien mûre. Mais bon là, comme elle est pas très mûre, bah c'est la vie. On prend la banane, on coupe en deux comme ça. C'est peut-être trop une banane. Ensuite, on a une mangue. Ça va jamais rentrer là-dedans. Je vais enlever une demi-banane et je vais la couper en deux et la rajouter dedans. Franchement, en vrai, regardez juste la fin de la vidéo. Là, je vais prendre une mangue. Moi, j'ai mis mangue et banane comme ça. Et ce que je vais rajouter, du jus de mangue. Et ça va sucrer et ça va donner cet aspect un peu bon, tu vois, pas fruit direct de la terre. Une demi-banane, jus de mangue et de la mangue pour l'instant. T'as pas le droit de goûter la mangue. Vas-y, pour mettre ça, j'ai le produit bon. Ça sent le parfum. Prenez votre mangue qui goûte le parfum. Et coupez-en un morceau. Faut mettre une demi-mangue par smoothie, je pense. Je suis tellement une arnaque. Je fais genre, je sais ce que je fais. Mettez une demi-mangue. Qui va refaire la recette? J'y vais à tâtons, mais en général, j'arrive bien quand j'arrive. Tu vas à tâtons? Ouais, j'y vais à tâtons. Ok, alors une fois qu'on a mis les bananes et les pêches, on va mettre des petites fraises. Pourquoi vous rigolez? Non, vas-y, qu'est-ce que j'ai fait encore? On dirait une nonne. Trop grand. On dirait un moineau nonne, genre. Moineau ouvrier. Toi-même, tu sais les balles. Pourquoi on fait des inside? Masque. Yeah. Mon chapeau est trop grand, tu peux l'ajuster par une petite couture. On va être pour une couturière ou quoi? Bah oui. Je peux te dire couturière. Mais regarde. Donc une fraise dans chaque smoothie et ensuite on verra. Pour toi, ça va avoir un bon goût délicieux. Ouais, je te jure. Est-ce que pour toi, tu vas gagner? Bah là, mon smoothie, je suis sûre qu'il est bon. En vrai, je te jure. Okay. C'est pas ça cool, ça partout. Tu vois bien que s'il y a du lait partout dans ton mixeur, tu vas pas mixer avec le lait. Ok.
Vous voulez un petit gâteau? Non, pour me relaxer, genre pour que j'arrête de vous engueuler. Je suis obligée de nettoyer ces bêtises, genre qui fait ça? Une sœur. J'aurais rêvé d'avoir une sœur comme moi. C'est vrai que moi aussi j'aurais rêvé d'avoir une sœur. Mais comme vous moi. Arrêtez de vous goinfrer. Mixage du smoothie, c'est parti. Je passe pas. Sœur, je vais vous aider, d'accord? Attends, laisse-moi réfléchir. Soit t'es vlapon. Tu sais que c'est pas branché, hein? C'est pas branché. Oh putain. Je le goûte avant pour être sûre. Il est dégueulasse. C'est you. Allez là, devient bon, devient bon. Ça, il doit pas devenir bon, ce smoothie. Comment j'ai fait ça? Normalement, tous mes smoothies sont bons. Je me laisserai pas abattre. Eh non, par contre, il y a un top chrono. La vie de ma mère, après, il y a un top chrono, c'est trop facile. Ah oui, fais la vider le sucre, c'est sûr ça va être bon. Là, ça commence à devenir un truc intéressant. Je trouve que la présentation, c'est important. Enfin, moi, j'ai prévu de mettre un petit... J'ai acheté un ananas juste pour faire la déco. Je vais mettre un petit truc d'ananas avec une petite framboise. Soit il est en train de rajouter sa présentation comme gros hasard. Hein. Tu me fais complexer. En vrai, ça a l'air délicieux ce que tu fais. Mais je sais pas. Hein. Non, je te jure, genre, j'avais mal au ventre, j'avais pas envie de manger et tout. Et là, ça m'a donné envie. Genre. C'est super bon. Faut nettoyer pour la personne suivante le plan de travail. Bah oui. Bah oui. Elle a pas du tout prévu ça. De ouf. C'est la potion le polynectar. En vrai c'est bon, c'est juste que l'erreur que t'as fait c'est vraiment de mettre de la fraise. En plus ça noircit le truc, okay. Parce que on le sent mais jaune. Donc si tu mets un fruit rouge, je dirais que ça va rendre vert le chêne. En termes de service déjà, genre je pense que John est au-dessus. Ça se voit mais c'est un smoothie de débutant. Ouais, je suis assez d'accord. C'est succulent. C'est succulent. C'est excellent, t'as clairement gagné. Présentation plus ce jeu est incroyable. Non. Mes babines sont en train de faire une crise d'épilepsie. Jane gagne le point. Jane gagne le point. Jane gagne le point. Jane gagne le point. Passons au prochain challenge. Le round burger. C'est un burger vegan. Ça va être très simple et très rapide. Une casserole, un burger et un pain. Pareil. Ok. Alors ça, j'ai trouvé ça dans le magasin et je sais pas du tout ce que c'est. Genre. Elle a pris parce que ça lui faisait rire. Elle a fait même rire la caissière. Tu sais que ça, on dirait un ourson genre. Non mais ça se trouve, ça se cuit et tout. Attends, faudrait le mettre dans le t-shirt de quelqu'un. Ça fait super peur, tu peux faire des pranks avec ça. C'est horrible. Mais je suis sûre que c'est un animal en vrai. Tu sais ce que je crois que c'est? Faut le nourrir. Un fruit du dragon. Non, il faut le mettre dans l'eau et voir si genre il respire l'eau, genre où il... Ou s'il éclot genre. Ouais, il va éclore, c'est sûr. Je vais poser mes oursons ici et on va voir ce qui va se passer. Il va peut-être y avoir une famille d'oursons. Ça va apparaître demain. C'est au four. Au four et au moulin, genre? J'ai de la faim. Je sais pas vous. Mais... Dans la vie, tu vois, faut pas hésiter à prendre les oursins qui te passent sous le nez si tu en as envie. Ça te fait vivre de nouvelles expériences et c'est génial. J'ai appris des trucs super intéressants avec les smoothies, ça. Vous avez appris qu'il faut pas mélanger les fruits exotiques. Oui, moi je pensais que plus il y avait de fruits, plus on était heureux. Non. Ce qui est totalement faux. Plus on met de fruits, plus on a la diarrhée. C'est l'erreur du débutant. Passez-moi une assiette, soyez si vous êtes en train. J'ai envie de croquer dedans. Ça me dénerve. On dirait un litchi poilu. Je déteste les litchis, moi. Oh, je déteste les litchis. C'est un crustacé. En fait. Non, c'est un crustacé de ouf. Il a voulu être un fruit le truc, mais il s'est raté genre dans sa carrière. Bon, je vais vous piquer 2-3 ingrédients. Moi aussi. Qui a du caca? C'est pas moi, t-shirt, c'est un roman. Il est vraiment moche. C'est l'unique t-shirt qu'elle a dans toute sa maison. La meuf, elle a que des grandes et des souliers de haute qualité. Je vais mettre votre tête entre ces deux pains. Ça, c'est un délicieux burger, ça. Ouais, regarde, on essaye. Ça. I'm sure to pay. J'adore les instants de l'espace en ce moment. Ah ouais? Mmh. L'avocat ne fait pas le burger. Là, on avait celle-là à faire après. Et je dirais pas qui. Ouais, dis pas qui. Là, je suis en train de voir les efforts que tu mets. Par contre, tu mets trop de beurre. J'allais attendre la fin pour te le dire, mais. Mais qui met du beurre dans un burger déjà de base? Ton poêlon en fait. Mais attends, mon poêlon, 2 secondes. T'as déjà une poêlinette là. Ah! Quoi? Ah! Bah oui. Comment t'as fait pour les prendre? Je les ai mis avec mon couteau comme ça et j'étais comme ça. Wingardium Leviosa. Et ça marchait. Ah ouais? Là, il y a ma vie, tu vois. Ouais. Là, il y a le bout. Ah, et ça va se briser dans 2 secondes? Non, c'est juste là que je suis située. Mais c'est vrai que ça aurait été une bonne blague. Mon ça aurait été pas mal aussi. Un peu de sel. Al sel tu pego. Ah, sel tu pego. On commence par le vôtre, Soy. Vas-y. Ouh, attention. C'est bon. Mmh. Manque de sauce. Un peu sec. Mmh. Il y a un côté un peu pâteux, mais c'est quand même vraiment bon. Vas-y, je vais goûter, tiens.
Ah, je préfère. Je préfère la consistance du tien, mais le goût du mien. Comment choisir dans ce cas? Je pense que je préfère le mien. Ok. Mais je préfère le goût de celui-là. Ouais, vous avez gagné. Bon bah j'ai mon premier point. Bravo Saf. Je propose qu'on finisse de manger parce que c'est quand même délicieux. Ouais, j'avoue. Bah je vais manger le mien du coup, tu vas manger le tien. C'est ça. C'est parti pour l'épisode 2. Faut qu'on mette notre tuque. Ah ouais, la tuque. Va chercher la tuque. Ça va bien avec mon teint. Je tiens à dire que cette fois-ci je vais suivre une recette. Moi aussi. Moi aussi je te donnais, mais j'ai jamais fait la recette donc je sais pas du tout ce que ça va donner. T'es parti sur quoi toi du coup? Bah je te dirai pas. Je vais pas tricher, je peux pas retourner au magasin. Moi je sais pas ce que tu sais. Alors tu vas me dire. Hein? Alors toi aussi tu vas me dire ce que tu vas faire? Ouais. Alors dis-moi. Ok, non, je te dirai pas. J'ai triché avec une pâte. Oui. Trahison. Non mais j'aurais pu la faire, c'est hyper facile. Toi, je t'ai demandé est-ce que tu vas créer une pâte. Tu m'as dit non, je veux juste être égal. L'esprit du mal est marqué sur sa face. Trahison. Robot culinaire. J'avais pris le robot pour faire la pâte, mais j'ai acheté la pâte, ça sert à rien. Puis elle ramène des robots. C'est dans quel film qu'il y a un robot? Dans Tron Legacy. Robot le retour. Robotique. Robot et robot à la plage. Martine et le robot. Martine. Regardez, on dirait un beurre. Regarde. Non, arrête ça, tu vas me faire mal, arrête, ça y est. Attends, moi j'ai perdu ma recette là. Aujourd'hui on va faire un petit gâteau au poil d'agneau. Oh, je l'ai perdu. J'ai cuisé un moule à fond amovible de 23 cm. Vous savez l'apprécier. C'est du fromage. Bah oui. Ça a l'air hyper sophistiqué ton truc hein. Oh, bah, tant pis, j'ai pas mesuré la quantité. Non mais moi non plus j'ai rien mesuré hein. Donne-moi les tasses à mesurer. Attends, je vais te donner un truc. Non mais ça. Ok, je dois huiler le fond. Mais Soy, donne-moi les tasses à mesurer. Je sais pas où c'est Soy, je vous jure je sais pas où c'est. Je vois pas Soy. Ça dit huiler avec de l'huile d'olive? Je sais pas. Mais c'est pas avec de l'huile d'olive qu'il faut mettre dans les gâteaux. C'est pas de l'huile d'olive qu'on met dans les gâteaux. C'est marqué huiler le fond, c'est pas marqué huiler le fond. C'est avec du beurre qu'on fait. Là tu veux que ça ait un goût de vieille huile d'olive. Mais non parce que là c'est tu huiles et ensuite tu mets du papier sulfurisé. Donc ça va pas toucher. Eh oui. Dans ce cas, je vais faire à l'œil les mesures vu que j'ai pas de tasse à mesurer. Si si, on va en trouver. Mais t'as un zeste ou pas? Non, j'ai aucun zeste. Ah si, j'ai un zeste. Donne-moi un zeste. Et moi, est-ce que je suis genre Dumbo? Je me suis habillée en blanc aujourd'hui. Le gâteau il est blanc au final. Ouais, c'est vrai. Je suis clairement en train de faire un gâteau de diabète. Je vais peut-être mettre une petite fève dedans. Ça filme? Ah ouais, bah, ah, tu savais pas qu'on faisait une vidéo? Non. Okay. C'est parti pour battre le fouet avant qu'il ait chaud. Ah, mais ce qui est nice, c'est que le citron ça attaque la peau et ça fait très très mal. Oui. Ok. Attends, c'est sportif cette histoire. Je me sens au centre aéré de faire un atelier cuisine. Ouais, de ouf. Ah, je marche sur des trucs mouillés, putain, ça me dégoûte. Ça doit faire mal de se réplucher la fesse. Attends, j'aurais dû commander un gâteau. Hein. Non. Comment je vais arriver à 250 ml? Ça fait 6 citrons que je presse comme si je pressais ma vie, genre. Il faut que je casse 3 œufs sur ta tête. Et je mélange avec ma main sans respect le shit, genre. J'ai la technique, tu vois. Ça c'est un de mes talents que j'en ai pas beaucoup mais j'aime bien le reconnaître. Il y en a qui tombent à côté. Non, cache pas mon talent, ça c'est mon seul talent. Ils sont petits et jaunes. Ah de ouf hein. Et c'est parce que c'est des œufs de poules élevées en liberté. Du coup ils sont plus petits que d'habitude. On a l'habitude de voir des gros œufs OGM. Ils sont venus chez moi. Pour me serrer la main. Ça me dégoûte. On dirait les reflux de Bernadette. Genre. Il y a 50 000 œufs, 50 000 grammes de sucre. On va mourir après ça, je te le dis. Hein. On n'aura pas le temps de voir la deuxième vague. Ah, mon chapeau il est accroché au tiroir. Ok, ok. Roman en plein stress. Oh non, mais là ça me saoule parce qu'en fait ma crème elle va devenir trop épaisse et j'ai pas de plat. On a pas un plat genre avec la gamelle du chat, j'en sais rien. Mais dans ta soucoupe volante là. Non mais faut que t'attendes qu'elle refroidisse un peu, sinon ça va exploser en fait. Ça va exploser? Ouais. Moi j'ai perdu un ongle en cours de route. Ah, c'est la fève dans le gâteau? Ouais. Je le mets dans le gâteau de soie. Non, j'ai déjà mis une fève moi. Ah ouais? Ouais, c'est les raisins de mon citron. Oh non, tu les as laissés dedans. Mais non, ça. J'ai misé sur la sécurité. J'ai été avec un gâteau non cuit. J'ai mon gâteau en tête, tu vois. Il va être assez mollusqueux. Mais il va être bon. J'avoue que mollusqueux, c'est pas le meilleur terme pour définir un gâteau. Check it là. Le rouleau est au bout de son propre rouleau. Genre. Ok, on a la pâte. C'est pas mal du tout, on tient un truc là. Tu t'en sors, Roman? Non, je suis au bout de ma vie là. Moi aussi, je suis au bout de ma vie. Moi je travaille fort là, je suis trop au bout de ma vie. J'arrête de me dévaloriser là, je suis concentrée. Moi je suis sûre que ça va être là bon. Ah, faut faire des prières là, faut prier. Les 7 dieux, les 18 déesses et les 3 bouddhas. Genre. Les Zeus. Ouais, les Zeus c'est ce que c'est. C'était le jeu de la graisse. Ah ouais? De la graisse du gras genre. Mais du coup il cuisinait bien sûrement non? Ah, c'était un cuistot en fait. Oh, on est bien Tintin. Bon bah, je t'attends, hein, tu me fais signe quand t'as fini. Oh, j'ai mis un poil de fesse dans mon gâteau.
soi, la forme est trop bien faite. Vous aimez bien? Et v'là bien. Vous avez fait une petite croûte en dessous? Bah ouais, c'est super bien ça, je suis super fière de vous. Je viens de découvrir le gâteau de Soy. Mais moi aussi j'étais plein impressionnée par le vôtre. Il est magnifique, on dirait un gâteau champêtre. J'ai deux, ils sont grave bons. Il est temps de découper le gâteau et de découvrir qui va gagner le challenge. My heart went boom. My heart went boom. Ok, on découpe. La découpe. Il me faut une meuleuse parce que le gâteau me paraît très épais. On est à égalité pour l'instant. On va devoir appeler Denis Brunière pour nous départager ça. My heart went yes. Voilà l'assiette de dégustation. J'ai traversé l'assiette, frérot. Je sais pas. Ah, je sais pas non plus. Les deux sont blavons, ouais. Laisse-moi regoûter le tien. Je sais que j'ai mis longtemps à faire le mien, mais le tien est quand même vraiment réussi. Moi, j'ai envie de mettre un point à toi pour l'effort, tu vois. Il est trop dur en dessous. Est-ce qu'il est vendable? Non, mais moi, je suis en blanc. Comment j'ai fait pour rester en blanc tout le long de cette vidéo? Ah non, pas tout à fait. Je suis un peu en vert aussi. Ah oui. Moi, je dirais, si le James, il est plus équilibré. Ça change pas grand chose. À niveau saveur, ouais. Bah je trouve juste celui de Romain, il y a beaucoup de citron qui se met en avant. En vrai, c'est ça, du Cérax. Et j'accepte la défaite. Vas-y, ça me rend trop triste de gagner. Je fais vraiment psychologiquement. Je suis super contente d'avoir gagné le burger, Soy. Ok, mais vous êtes vraiment proche de la victoire, Soy. C'était très serré, vous le savez, ça. Ce qui vous revient, vous est mérité, Soy. Ah ouais? Oui. C'est quoi mon trophée? Le trophée de trois sorciers? Ouais. Attendez, je vais chercher un trophée. Ok. Bon, j'ai pas trouvé de trophée, Soy. Du coup, je te ramène le bol de croquettes de mes chats qui ressemble à un trophée. Oh, merci, Soy. C'est trop gentil. Donc voilà, t'as gagné le défi. Yeah. J'espère que t'es contente. Franchement, ça valait tous les efforts que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce petit challenge vous aura plu. C'était long, laborieux, mais c'était quand même une bonne expérience. Bah, n'hésitez pas à nous juger sur l'aspect, du coup. Je suis contente, j'ai intoxiqué personne quand même. Ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir. À la prochaine hein, pour une prochaine vidéo. On est combien, Soy, sur la chaîne? Vous avez du poulet sur la main. Ouais, j'ai un peu de tout. 454 000 abonnés sur la chaîne Jan et Roman. Merci beaucoup. Je vais aller laver mon visage tout gras. Mais tu mets des œufs sur ta tête. Ouais, mais de toute façon, rendu là. Je vais prendre un bain. Ah, je vais aller prendre une douche, mais froid. Est-ce que tu veux prendre un bain dans ta douche? Tu colmates ta douche. Non, mais je comptais mettre du scotch sur les rebords. Ça, tu fais ça. On fait des très gros bisous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye. Genre, je vais vous dire la vérité la sur Jan T. Ok, c'est qu'elle a empoisonné mon smoothie tout à l'heure. Ok, elle a mis en fait, c'est une petite capsule en fait. Tu mets dans un smoothie. Je vais vous dire la vérité sur Romy Victory. Quand on est arrivé, elle avait rien préparé. Alors vu que c'était tout en bordel, elle a pris tout son bordel, elle l'a mis dans la salle de bain. Fin de la vidéo.